Enlevez le commencer. Le commencer, c'est la vie. Faites-le fini. C'est un jour. Donc, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ici, ici c'est ma conversation avec Emmanuel Keïta. Là, on est au 1er août. Et elle m'a envoyé une capture. Une capture, excusez-moi. Je vais cliquer là-dessus. C'est elle, sa causerie avec Kafouba Koulibaly. Mon venir sera en fin de septembre. Envoie-moi le dossier une fois, ok. Fin septembre, parfait. Ça va? Sinon, bon dimanche. Oui. Oui. Mon fils va bien. Il est en vacances. Dans le sud, tout frais payé. Bon dimanche. C'est-à-dire que Kafouba lui demande ça va, sinon. Et puis il a dit bon dimanche. Et elle a dit, oui, mon fils va bien. Elle n'a pas dit nos enfants vont bien. Elle dit mon fils va bien. Il est en vacances dans le sud, tout frais payé. Bon dimanche. Et lui répond, tu as bien dit ton fils. Tu n'as pas dit notre. Ils n'ont pas dit non, hein. Lui, il dit pas, ah, tu n'as pas dit non, fils. Il a dit non, tu n'as pas dit notre. Elle dit bisous. Et il dit, pour l'avocat, fais signe. Je verrai si je peux contribuer aussi. J'ai arrêté avec ma femme. Vous voyez, c'est le 1er août. C'est la partie là qui m'intéresse. Voilà pourquoi je sors la capture pour vous montrer. C'était le 1er août. J'étais encore avec Emmanuel Keïta. C'était le 1er août 2021. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est en 2021 que Tafou, et puis en 2021, vais-je faire un truc là-bas là, que Tafou et puis Kevin Yao se sont séparés. Voilà, j'étais au courant. Et quand m'envoie la capture ce jour sur la tête de mon fils, sur tout ce que je cherche dans ma vie, c'est-à-dire que je mens. On n'a qu'à sortir, on va jurer sur nos entrailles. Elle m'a dit, Sylvia, sort, tu vas clasher Kevin. Moi, il n'est pas la fête déjà. Hein. Si vous avez remarqué, première route, la fête, le 5 août, il y a Bamoukou et Emmanuel Keïta. Vous savez que c'est souvent. Là, quand on se souvient, le 5 août, il y a Bamoukou pour Emmanuel Keïta. Voilà. Parce que j'ai compris qu'il était, et puis je ne voulais plus faire des conneries en fait, arrêter. Je lui ai dit, va enregistrer Kafou Bakoubali, et puis envoie-moi. Il y a un voice, un jour, je jouais ici, là. Kafou a dit que lui, c'est vrai qu'Emmanuel Keïta l'enregistrait. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Je lui ai dit, va l'enregistrer, puis envoie-moi. Comme elle est partie, et c'est que si c'est elle qui fait, et puis elle m'envoie là, on saura. Donc elle n'a pas fait, parce que c'est une fille qui ne veut pas laisser de traçabilité. Elle voulait que je saute pour insulter Kevin, et puis ça allait rester sur moi. Moi aussi, j'étais plus mouton, hein. Je n'étais plus mouton, donc je lui ai dit, va enregistrer Kafou. Et puis tu m'envoies en résumé de Kafou en question. Et puis quand il y a un temps bien là, et puis il y a passé Kevin Yao. Elle est partie, elle n'est plus revenue. Donc, et ça, c'était au moment où Eka s'est fiancée. Avant ça, Jules, elle s'est fiancée. Peter, c'est là qu'elle m'a dit que Kafou vient, ils vont divorcer. Et je tenais à vous dire que Kafou a dit tout à l'heure, tout le monde a écouté, que quand lui quittait la France, il allait divorcer de manière qu'il n'a jamais. Ils se sont séparés jusqu'à présent, le 25 décembre 2023. Emmanuel Keïta est épouse Koulibaly. Ils ne vivent plus ensemble. Ils sont en séparation de corps. Mais ici en Europe, Emmanuel Keïta est reconnue comme épouse Koulibaly. Donc il n'y a pas eu de divorce. Vous comprenez? Il n'y a pas eu de divorce. Koulibaly en 2020. Kafouba Koulibaly me dit que non, à partir du Covid, on sait tous que Covid était en 2020. Oui. Le Covid c'était en 2020. Et il dit que c'est en 2020 que les points ont commencé. Pendant le Covid, les choses ont commencé à se dérailler entre lui et puis Kevin Yao, où la fille a commencé à montrer son vrai visage. Mais Kafouba, tu oublies la barre que nous sommes. Tu oublies la barre que nous sommes. C'est la même Covid que Emmanuel Keïta a eu les problèmes avec Suspect 95. Tu oublies ça? Tu oublies? Et quand les gens commençaient à se moquer d'elle, et puis elle disait aujourd'hui, je suis la femme de Kamou, le footballeur, où elle parlait en bien de ton nom. Chose qu'aujourd'hui tu y aimes.
Jusqu'à aujourd'hui, tu commences à gueuler pour ça. Tu as fait un poste, non? Un poste que tu as fait aujourd'hui. Mais quand on supprime là, les gens partagent les dits. On va aller, si vous allez voir ici. On retourne encore la caméra. Vous voyez ici, c'était le 25 avril 2020. Chers tous, je vous serai profondément reconnaissant de respecter mon image et ma vie. Comme vous tous, j'ai eu un passé et des ex. Je prétends que mon image, la photo qu'il affichait, c'est-à-dire ça, lui et puis, ici, c'est lui et puis Kevin Yao, hein. C'est pas Emmanuel Keita, c'est lui et puis Kevin Yao. Je préfère que mon image ne soit plus associée au scandale, à des buzz stériles. Ça, c'est Emmanuel Keita qui parlait. Ou des sombres, ou de sombres, ou à de sombres événements. Il a parlé quoi, hein? Aujourd'hui, ma vie est totalement différente. Je suis un marié, amoureux de ma femme et heureux dans mon foyer. Je suis un homme d'affaires crédible et satisfait de sa vie sur tous les plans. Je préfère vraiment laisser cet épisode sombre de ma vie exactement où il est censé être. Bonne fête de Ramadan. Voilà. Donc, c'est un jour de Ramadan que tu as ouvert ton gosier encore sur Emmanuel Keita. Je me pose dessus. Pour ceux qui ne savent pas, Kafouba Koulibaly et puis Emmanuel Keita ont fait du bruit. Blaguer les enfants de 2000, les enfants qui sont à l'an 2000. Sinon, nous qui étions à Angre depuis 2002, là, on connaît l'histoire. Avant, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est les journaux top visage. C'est là-bas que les deux là partaient faire les scandales. C'est là-bas qu'il a déshabillé Emmanuel Keita comme du n'importe quoi. C'est là-bas qu'il a mis le nul pourri de croyer dehors. De la main en bouche, où sa bouche va dire, c'est quoi. Avant, il n'y a pas de réseau. C'est comme ça qu'il a lavé copieusement Emmanuel Keita. Voilà. Donc, comment une femme que tu as dit tu étais heureux dans ton foyer en 2020, tu étais bien, tu n'as pas de problème, jusqu'à dire que Emmanuel Keita était sombre événement. Oui, parce que ce que tu as vécu avec Emmanuel Keita, tu l'as qualifié de sombre événement. Vie sombre. Et c'est la vérité. Oui. Pourquoi aujourd'hui tu reviens et tu changes? Non, et qu'elle est bien. Tu as peur de la écalante. Tu as peur de répéter des gens. Tu as peur qu'on te traîne. Mais si tu as peur de l'autre côté, tu te dis que ah, Kevin, comme elle n'est pas influenceuse, elle n'a personne derrière elle, elle n'est rien. Tu as venu gueuler sur elle et puis ça fait partie. Il a joué, il a tracé tes testicules ce soir. Eh, il faut aller chercher un commissaire. Parce que je n'ai pas la misère de toi. Il y a un job dans toi. Ça n'a pas chauffé. Tu as compris que toi. Bah, elle ne sait pas. Quand on dit Kafou, on dit Kwadjo. Quand on dit Kwadjo, on dit Kafou. C'est ça là. C'est ça là. Ça y est, toi, tu as venu prendre Jean. Tu as venu traverser une fille, une femme pour élever ton démon d'hier. Et tu vas appeler Kevin Yao la diablesse. Pour ça, on sait que le petit démon, c'est Emmanuel Keita. On sait bien. Tu veux transformer l'histoire. Tu veux tout changer. T'as un gros bangara qui est en bas de toi, ton petit bangara qui t'est écrit pour repère de la Côte d'Ivoire, repère de ses amis. Football, tu as assis et puis tu conjugues avec ton passé de footballeur. Tu as fait quoi? On va arriver dessus. C'est pas Emmanuel Keita qui t'a abandonné en Turquie pour aller baiser avec Arafat Diké. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est toi qui t'as joué aussi. Hein? C'est pas elle. Quand t'as envie ton gourou, ton podassime de la femme, t'as dit que t'as Emmanuel Keita t'a abandonné. Que oui, t'as laissé que ton genou t'a blessé. Excusez-moi, qu'est-ce que t'as laissé? Hein? Comment t'as quelqu'un dit ça? Dans quel coup tu veux dire que non? C'est Kevin Yao qui t'a détruit, non? Tu n'étais personne, tu n'étais rien. Tu étais juste un flocon, un rien. Donc que Kevin Yao a ramassé et puis elle a commencé à laver, nettoyer pour déposer. On va arriver sur ce que tu as dit là. Il y a des allumés ce soir, pas tel le live. Hein? Tu étais quoi? Quand tu quittais l'Europe, la Turquie, tu étais quoi? Tu es venu à ton enfant? Tu pouvais t'occuper de ton fils Ibrahim là? Tu t'occupes d'Ibrahim jusqu'à aujourd'hui? Hein? Tu t'occupes de ton enfant Ibrahim là jusqu'à aujourd'hui? Père perdu. Père irresponsable, si tu veux gueuler. Tu
toi. Il dit, tu vas prendre vite depuis ta piste. Il y a un job dans toi. On se retrouve en 2024. Il y a un job dans toi. J'ai arrivé en Côte d'Ivoire, t'as pris 5 ans. Mais c'est pas comme ça. Si tu viens, tu vas me mettre en prison. Tata, viens en France. Donc les amis, c'est Emmanuel Keïta, tout le monde sait que c'est Emmanuel Keïta qui l'a mis dans le problème. C'est Emmanuel Keïta qui a d'abord tout son enfant. Dior que vous voyez qui a Abidjan, son chien Dior. Voilà l'héritage, hein. Voilà l'héritage qu'elle a eu dans l'affaire de Kafouba. Dieu, quand vous voyez qu'il y a Abidjan qui met son gueule, qui met une gamme qui boite comme ça, Dieu qui boite comme ça, Dieu qui boite, ses poids tombent là. Dieu a été payé à 5 000 €, c'est moi qui vous le dis. Elle a pris l'âme de Kafou. Quand Kafou a fait Black Cat là, ils ont bien conjoint ensemble. Donc quand on dit conjoint là, lui il a Black Cat, c'est à cause de Kafouba qu'ils ont fait Black Cat à Emmanuel Keïta. C'est dans ce temps-là qu'elle prenait l'âme de Kafouba, au lieu de payer immeuble, au lieu de payer ciment. Elle s'en paye Dior à 5 000 €. Il n'a pas dit habit Dior, il est chien. Wow, wow, 5 000 €. Wow, wow. Voilà Dior aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire qui boit comme cela. Poil de Dior là qui, Dior mange gaba, Dior mange caca de la rue. Dior est là-bas, Dior là, c'est elle. Dior même elle comme ça. Oh Dieu. Toi, Emmanuel, tu es ta pote ton argent pour les payer chien. Oh, des investissements, business, quand tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Bâtard. J'ai envie de dire aujourd'hui pourquoi aujourd'hui il est aussi malheureux. Pourquoi Kafouba Koulibaly, c'est un cas qui est maudit. Il a gâté, quand il jouait de sa pauvreté. Et puis les gens qui disent que les gens sont pauvres. On est où les riches? On arrive, on va aller doucement, doucement. Kafouba Koulibaly, il était dans la pauvreté. Quand il a commencé à jouer ballon là, il y avait une go qui était là, sa chérie, go de galère. La fille a nié mes galères lui. Elle a supporté, elle a fait tout, elle a souffert, elle a fait tout avec lui. La fille était la camarade de Emmanuel Keïta. Il a laissé la fille là. Quand Kouadio venait derrière lui en Europe ici là, et puis il allait épouser Kouadio en Katmini ici. Et puis après, il a fait malade Doula en Côte d'Ivoire. Ces mots, ces malédictions que la fille a lancé sur toi là, ça qui te poursuit aujourd'hui. Tu ne seras jamais heureux avec une femme. Malgré ton footballeur que tu as là, c'est ce qu'elle a dit sur toi. Bon, que tu as beaucoup de règles. Elle a pris ses règles et puis elle a tapé dessus. Tapé revenu. Quand tu t'es un footballeur, elle a réussi. Un matin, tu vois les terres, elle dit, oh, ils vont foutre d'elle. Et oh, mais si le footballeur, il y a un fou. Un matin, le genou a pris le balle perdu. Elle m'a dit, fuis là-bas, tu es rentré en Côte d'Ivoire sans rien. La fille en Bengeti, elle vit sa best life. Elle a lancé toi aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le karma. Tu vis ton karma. Et ce karma que tu vis là, tu ne vas jamais l'attribuer à Kevin Yao. Parce qu'elle-même là, en s'accrochant à toi, en restant avec toi, elle a pris un peu de ta poisse à te mettre sur elle. C'est qu'elle était la poisse de contagieux, de peut-être jeter comme n'importe quoi. Ok? Tu dis que quoi? Toi, t'es quitté en Europe avec beaucoup d'argent. C'est là qu'elle dit, tu peux moi, il me l'a quitté. Ça y est, quand tu parlais, tu pensais que c'est Kevin Yahoo qui t'insultait. Non, tu t'insultes toi-même. Tu insultes ton enfant. Et puis tu insultes Emmanuel Keïta. Je vais te dire pourquoi ce soir. Mais parle de ça sur ma bouche là. Tellement que ce sera véridique là. Tu as compris que tu as fait une bêtise en fait. Arrêtez. Tu n'as pas clashé Kevin Yao. Tu t'es clashé toi-même. Tu as clashé Emmanuel Keïta. Parce que quand on te regarde, ton taille, quand on te voit, elle est là aussi. Elle allait faire quoi, garçon sale là. Elle allait faire quoi, sale là. Saleté. Comme oreille. Et là aussi. Son nia traîne partout d'un. C'est quoi sale ça, raison pour nous envoyer. Quand tu es un homme, toi, reste là. Tu dis que ce soir, tu as pris de l'argent. Tu as quitté l'Europe avec beaucoup d'argent. Tu as été bien. Et tu avais un immeuble à l'époque qui coûte 4 millions par mois. C'est-à-dire que l'argent, quand tes locataires payent une maison, là, chaque mois, tu as 4 millions. Et tu arrives. La fille te drague. Ben, tu es bête que quand on te dit que tu as fait, mon frère. Oui, elle te drague, on est d'accord. Moi, je dis quoi là-dessus? Elle te drague.
tu ne l'aimes pas trop. Tu étais si. Ça y est, tu as dit que tu. Ça y est, quand tu as pas été, ça y est, on sentait que tu ne l'aimes pas. Mais on sent que tu n'aimes pas. Elle dit qu'il y a un business qu'elle a. C'est-à-dire, elle a son commerce qu'elle a. Attendez, regardez bien mon bannière. Elle a son commerce qu'elle a. Et puis elle dit que petit, il y a mon commerce. Il y a que tu donnes Dieu dedans. On a développé le mouvement. Et toi, un footballeur, tu as l'argent. Tu venais avec beaucoup d'argent. Tu ne vas pas dans ta banque pour retirer 20 millions que tu as donné. Non. Ça y est, de ton sac dans la maison là, et là-bas, tu peux avoir 20 millions là-bas. Non. Le grand footballeur. Ça y est, que tu l'as à Kevin. Salut Coco. Ce que tu as dit, là, il a compris. Hein? On va attendre dans 5 mois et pique dans les 20 millions. Parce que quand on calcule 4 millions multiplié par 5, ça fait 20 millions. Ou bien, c'est bon? C'est ça qu'a parlé, hein? Mais elle est un bateau. Tu peux dire, chérie Coco, maman Jack est en banque, elle n'est pas touchée d'une manière. Elle est gardée pour mon business. Moi, il y a un immeuble qui a le pouvoir. Ça m'a produit 5 millions. Chérie Coco, est-ce que tu peux attendre 5 mois et te donner 20 millions? Elle va accepter. Mais non, hein? Toi, tu gagnes 4 millions par mois. Maison produit 4 millions. Tu me donnes beaucoup d'argent. Et puis, femme te dit, bébé, je veux investir. Est-ce que tu peux m'aider? Et puis, tu t'en vends l'héritage d'Ibrahim. Tu t'en vends l'héritage de Mané Keïta. Avec qui tu vas te bosser. Tu ne lui donnes pas importance. Tu prends l'air bien. Tu prends l'air bien. Tu prends les biens. L'immeuble qui produit. Qui produit. Et puis, tu le vends moins cher. Mito. Tu le vends moins cher. Tu le vends moins cher à 2 millions. Moins cher. Nyan. Nyan. Client celui. Nyan. Nyan. A plus d'être prêt, tu es un mythomane. Pardon. Ta femme là, c'est Mané Keïta. Vous n'avez pas encore divorcé, remarié, mariez-vous. Vous allez former un bon couple. Oui. Actuellement, vous allez former un bon couple. C'est-à-dire, toi, tu prends l'héritage de ton âme, de tes enfants, de tes enfants, qui te produisent 4 millions par mois. Tu prends l'héritage à 5 mois, hein, et puis tu dois vendre ça à 20 millions pour investir dans le chat. Hein? Pour investir dans le chat, pour tous tes amis, un vendre le chat, les filles à vendre le chat, pour acheter voiture, pour acheter terrain, pour acheter maison. Nous tous on sait que quand tu as maison en Europe, dans le monde, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Il dit la fille a demandé 20 millions. Et puis lui après, il a demandé 30 millions au total. Il allait vendre la maison en question. Jean, ton fils Ibrahim qui est ici là. Tu t'en fous de lui en fait, arrêtez. Tu penses que tu as manqué de respect à qui en disant cela? Tu penses que tu manques de respect à qui? Jean, tu es trop fort. Tu es pauvre. Parce que c'est parce que tu es pauvre. Tu n'avais rien. Il n'y avait rien de ton cuir. Et maintenant, il t'a sucé ton bodin. Elle a sucé ton esprit. Et puis, t'a jeté. Il te restait un petit coup, une petite coup commune. C'est pas une même. Il te restait une petite coup commune. Qui était une valeur de 30 millions par là. Et tu allais. Tu n'avais pas dit que, ah, même si c'est coup commune, c'est terrain. Mais sans pas, mon enfant peut construire dessus. Tu dis non, tu as mis dans un qui te dit que tu n'aimes pas. Kevin, tu es femme. Kevin, tu es femme. Nien, ça y est, tu dis que tu n'aimes pas les nien. Le nien est ci, le nien est ça. C'est Mané Keïta qui prend ton argent pour aller payer chihuahua. Chien, wow, wow. Kevin prend, Kevin dit va vendre et aide ta famille. De tes enfants, puis tu prends, puis tu vas. Prends, elle est femme. Tu es stupide, tu es bête, tu n'es pas intelligent. Oui, oui, oui. Tu sais pas que. Mais petit, quand je suis un petit du là, tu es quel genre de. Ça y est, ta mythomanie que tu as raconté sur Kevin là, on va aller avec. On va montrer comment tu es bête. On va montrer comment tu es stupide. On va montrer comment tu n'es rien. Hé, hey, Kafou, quand tu partais derrière Kevin là, tu n'étais personne. Tu devais aux gens. Oui. Tu devais aux gens. Tu as vendu l'île, tu as vendu ta cour commune là, pour payer le crédit des gens. Fabri, tu n'avais que dalle, tu n'as rien.
et un père de famille qui vend les biens, demande à tes amis garçons. Il n'y a pas un qui va vendre maison pour aller investir dans pommade. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je comprends pourquoi Kouadio te malmenait comme du n'importe quoi. Je comprends pourquoi Kouadio te prenait comme de la merde en fait. En réalité, je comprenais bien. Stupide garçon. Et puis de la vie, garçon, princesse stupide. Te voilà où tu repères en Côte d'Ivoire. Et puis dit, il est footballeur, hein. Vous, tu vis dans ton passé. Tu vis dans ton passé, Kafouba. Tu n'es rien. Tu n'es que dalle. Même Emmanuel Keïta qui t'a laissé aujourd'hui là, elle gagne rien que toi. Ça, c'est entre vous deux. Le concours entre vous deux. Ça veut dire que ça, elle est en vente dernière et puis toi, tu es dernier. Elle est en vente dernière et puis toi, tu es dernier. Tu vois l'héritage de tes. De comment elle appelle ça, de tes enfants pour aller donner à femme. Hein? Et aujourd'hui, ça y est, depuis 2020. Depuis 2021, vous êtes laissé. La fille dans son coin. Tu dis qu'elle a rien. Kevin Yao là, elle n'est pas influenceuse. Kevin Yao là, elle n'est pas influenceuse. La fille vit sa vie. Elle est businesswoman. Elle n'est jamais ici venue nous dire qu'elle est celle ça. Ce que tu as raconté là, c'est pas Flo qui dit ça. Ce que tu as raconté là, c'est Emmanuel Keïta. Tu n'as pas le cran, tu n'as pas le courage de dire le vrai nom d'Emmanuel Keïta. Kevin, on ne la connaît pas. On la cherche. Si tu vois qu'aujourd'hui, on parle d'elle, c'est pas c'est toi, Kafouba, le père de l'enfant d'Emmanuel Keïta. Sinon, on ne la connaît pas. Personne ne la connaît. Elle n'a jamais vendu de rêve à quelqu'un. Elle est dans son monde là-bas. Elle gère son business. La preuve en est que toi, tu dis que tu as l'argent que elle. Mais tu ouvres ta gueule pour dire qu'elle a pris une villa dans la piscine. Où elle est là-bas? Mais là, tu es où? Toi, tu dors dans le salon des amis à Bijan. Quand je suis venue dire ici que tu dors dans le salon, là, tu ne vas pas appeler pour pleurer derrière moi ici. Tu ne vas pas pleurer ici pour souffler pour dire que tu es dans ce nom, oui. Tu veux des bizarres. Tu es en train de revoir ta vie petit à petit. Tu vas pleurer ici. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait toujours ici. Hein? Quand tu as avoué que tu as eu un enfant avec Emmanuel Keïta là, après, comme tu as eu peur de là, tu as commencé à chercher ta bouche. Peureux que tu sois, faible homme que tu sois. Kevin, on ne la connaît pas. Toi, tu as l'argent. Tu vis où? Pourquoi ton fils Ibrahim ne vit pas en vacances derrière toi? Pourquoi? Ça fait combien d'années? Tu n'as pas vu ton fils Ibrahim? Hein? Quand je viens en Europe, moi je vais en Europe, ça fait combien d'années? Tu as l'argent puisqu'on a mis un garçon qui fait libre pour tes enfants? Hein? Tu as l'argent puisque c'est ton ami garçon qui fait libre pour donner à ton enfant pour dormir dessus? Sans chambeler là. Toi, t'as fou, ton enfant dort pas tête dans le pipi qu'il fait. Tu sais ça? Tu sais pas? C'est chambelé quand on dit que ton enfant il lit et puis il dort maintenant, il pisse sur le matelas. Sinon, avant là, il pissait sur le matelas par terre. Tu as l'argent puis ton enfant dort dans le pipi? Sans chambeler là, ton enfant dormait dehors ici en Europe. Si tu es où? Père inconscient, père indigne que tu sois. Si aujourd'hui, les Ivoiriens, certains Africains, ils ont pitié pour Emmanuel Keïta, oui. Parce que ce qui se passe actuellement dans la vie d'Emmanuel Keïta, c'est la pitié qu'ils ont. Si aujourd'hui, les Ivoiriens, certains Africains ont Joël Marita, certains Africains ont pitié d'Emmanuel Keïta, c'est parce qu'on dit que c'est une mère qui élève ses enfants seuls. On dit qu'elle ne se retrouve pas, qu'elle a ses mensonges, et que ses mensonges la rattrapent, et que sa mythomène la rattrape. Elle sort, s'il vous plaît. Oui, je suis une mère célibataire. Parce qu'il y a des pères comme toi. Parce que c'est toi qui as fou, qui l'a abandonné avec un enfant. Oui, là, même encore, elle cherche son moral mieux. Elle cherche son rôle mieux. Oui, tu l'as abandonné un enfant, et tu t'assois pour dire que toi, tu as l'argent. Il faut nourrir ton enfant. Tu as dit qu'en gros, c'est Kevin qui disait que c'est Kevin qui disait que tu vas nourrir tes enfants. Père est conscient que tu sois. Chaque année, tes enfants portent pyjama. Ton enfant porte pyjama. Ça te dit pas? Tu viens en Europe. Tu dis que tu viens en Europe ici là. Tu as vu ton enfant combien de fois? Toutes les pères des enfants des menaces qui vont chez elle, elle les filme. Rudy même avec qui? Sa fille, elle, il n'a pas enfant, il sait que. Mais quand il vient à Paris là, il va chez elle, elle le filme. On t'a vu famille chez Menace Keïta. Depuis qu'on la connaît, depuis son retour, on t'a vu là-bas. Pauvre type que tu sois.
prince, lui. Ça veut dire que tu es bête que la prince. Elle t'a dit, ça veut dire que tu es bête que tu as pris une maison de ton enfant pour aller vendre pour la mettre en haut. Comme lui, c'est moi et t'es mis en haut. Battra Denis là. Quand tu l'as moussé là, tu as oublié. Il faut aller reprendre les seins que tu as mis en bas d'elle là. Et puis elle te remplit ce que tu as. Tu es malade de quoi? Tu vois que c'est quoi, yo? Quand elle a mouru en fait des gens cadeaux, tu vois que les bêtes. Tu vois que les bêtes, toi, étaient mis en haut. Tu dois la mettre en haut, oui. Oui, oui. Tu dois la mettre en haut, propre. Oui. Ton en haut, c'est quoi? Si tu as pris maison de tes enfants, de ton enfant pour aller vendre, pour nourrir, là, c'est normal. Quand lui, elle dort dans la maison, dans le studio, elle n'a rien. Kevin Niao n'est jamais venu ici que ses parents sont riches, non. C'est une fille qui est fière. Elle a eu le courage même de nous dire qu'elle a inventé un appareil pour nous dire que son enfant était un drogué. Oui, elle assume tout. Verrouillez votre iPhone. Oh, elle assume tout. Elle assume tout ce qu'elle fait. Elle n'a pas honte d'elle. Elle n'a pas honte de son passé. Elle assume tout. Tu comprends un peu? Elle n'est pas une mythomane. Voilà une vidéo. Voilà un appareil qu'elle a créé. Je vais vous montrer. Voilà un appareil qu'elle a créé. Voilà. Et bien plus qu'un simple. Voilà un appareil qu'elle a créé. C'est une innovation technologique, un prototype thérapeutique révolutionnaire qui pourrait sauver des millions de vies. La conceptrice de cette invention inédite, c'est elle. Oui, vraie femme. C'est elle, Kevin Yao. Directrice de société. C'est ça. Kevin Yao a mis sur pied voilà. Une solution innovante. Oui. La start-up Kawinor. Oui. Cet objet, à l'apparence d'un ordiphone, est une thérapie au laser à faible portée, efficace pour le traitement et la récupération totale de la toxicomanie. Voilà. Kawinor, c'est une start-up. Voilà. La voici. On va dire technologique parce que nous sommes plus dans la technologie. Et je pense que si je suis devant vous, c'est à cause de notre nouveau produit qui est le traitement d'addiction à la drogue. Donc, c'est un appareil, au fait. Voilà, comme nous sommes dans la technologie, c'est que des appareils, des gadgets, ce genre de choses que nous produisons chez Kawinor. Oui! Ce prototype a vu le jour lorsque cette mère de famille cherchait des exutoires contre la toxicomanie de son fils. Voilà. Voilà. Elle n'a pas eu honte. Son fils avait quel problème de toxicomanie. Et elle a fait des recherches. Quand elle a vu la solution, elle s'est dit qu'il y a beaucoup de mères qui se retrouvent dans cette situation en question. Et elle a mis ça sur ce marché. C'est ça d'une vraie femme. C'est pas des mythos. C'est-à-dire que quand tu veux que l'ignorant, tu n'es rien. Quand tu es Kevin Yao, tu es pétard, tu n'es rien. Elle est fatiguée de te nourrir. Elle est fatiguée de ce que tu vis avec son nom. Oui, parce que tu t'es assis. Tu étais dans un rêve de footballeur. Pourtant, tu es un footballeur ruiné. Tu n'avais rien, tu n'es rien, tu n'es que de tes zéros. Et tu vivais dans les poches de la bonne dame en question. Elle se dit, oui, c'est mon homme. J'ai aujourd'hui, oui, il a vendu sa maison par l'amour. Oui, bête qu'il est, c'est vrai qu'il est bête. Mais je le laisse là. Il va avoir un peu. Mais depuis que tu es là, tu n'avances pas. Tu ne veux plus rien faire. Depuis que tu as commencé à goûter son argent, tu ne veux plus rien faire. Tu es assis là. Mais elle a dit que tu es un fainéant. Elle t'a jeté. Elle t'a jeté. Et tu veux pleurer. Depuis 2021, elle t'a jeté. Elle est dans son coin. Elle t'a même pas parlé. Elle n'a rien dit. Tu sois un 24 pour nous embrouiller. Elle t'a parlé. Woman, et elle fait pas du bruit pour ça. Oui, c'est pas une fille qui vend le rêve. Parmi les filles qui sont, elle n'est pas influenceuse. Oui, et tu oses parler de son enfant. Oui, ton enfant qui est toxicomane là. C'est pour ça que Dieu t'a donné un seul enfant qui est malade là. Dieu fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Et tu t'attaques à ses parents. Tu t'attaques à ses parents. Tu t'attaques à son enfant. Tu t'attaques à son commerce. Petit homme jaloux. Petit homme échoué que tu es. Petit homme frustré. C'est ce que je vous parlais la dernière fois. Je vous ai dit qu'il y a des hommes, quand tu es avec eux là, ils sont jaloux de toi. Ils sont frustrés de toi.
Et c'est le cas de Kabuga Kafuba Koubali. Voyant le succès de sa femme, de sa compagne en question, il était jaloux. Tu parles de mariage. Oui, elle dit qu'elle est mariée. Elle est mariée. Tu as divorcé? Tu as divorcé pour te marier? La fille, c'est une femme garçon. La fille, c'est une femme F avec un H à côté. Mina personnage. Mina personnage. Tu sors en costume et je te frappe. Et tu veux mentir sur Bob Lee. Écoutez bien sa vidéo. Il vient de dire que lui, quand Bob Lee insultait Kevin là, quand Bob Lee était Eka là, c'est Kevin qui envoyait. Bob Lee insultait Eka en 2020 là-bas. Jusqu'à début 2021. Toi, tu disais quoi? Toi, tu as dit quoi? Pourquoi c'est aujourd'hui là que tu sors pour parler? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as une fois défendu Emmanuel Keita jusqu'à un truc? Non. Il allait, quand Kevin Yao l'a laissé, je vous demande la capture là. Capture qui l'a envoyé là. Quand Kevin Yao l'a laissé, je vous dis ça aujourd'hui. Quand Kevin Yao l'a laissé là, et puis il allait écrire à Emmanuel Keita là. Il allait demander près de 1 500 € à Emmanuel Keita. Emmanuel Keita s'est moqué de lui. Il est en train de dire, ah, elle est capable, hein. Donne-moi 1 500 €, j'ai un problème là rapidement. Et puis il a te donné. Elle a dit, lui l'a envoyé. Elle l'a fait écouter les messages à tout le monde. Regardez Kafoua. Il veut me donner. Parce qu'elle a aussi l'aime, c'était bon. Il allait mendier chez Emmanuel Keita, donné le pied. Et Kevin l'a laissé. Et comme, peut-être qu'elle lui envoie, ça y est, toi, au lieu que tu loues ton enfant, tu ne payes rien pour tes enfants en question. Tu ne donnes rien pour ton enfant et pour ton enfant Ibrahim. Tu ne donnes rien que dalle. Père inconscient que tu sois. Et tu t'assois pour essayer Kevin, ta camarade. Elle allait prendre, quand elle a quitté la maison, là, c'est toi qui paye la maison. C'est toi qui paye la maison en question. Hein? Tu dors dans la maison. Et puis il dit que oui. Et Kevin, la question, lui, il a fait usine là. Usine a porté son nom, c'était pour lui. Mais quand il est retourné, il est revenu là. Usine a question là. Elle a touché les papiers. Kevin va changer papier d'une usine qui porte ton nom. Elle va faciliter ta signature. Et puis ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Tu es sûr de toi. Tu es sûr de toi, Kakouba. Tu es sûr. T'as eu moi aussi là. Une femme que je n'aime pas. Une femme que j'ai vu qu'elle a un sale comportement. Une femme que je vois que non, elle n'est pas bien. Mais quand tu as parlé d'elle là, tu n'as pas parlé de son bonheur. Tu n'as pas son bonheur. Donc une femme comme ça va prendre ton usine. Elle va faciliter ta signature. Et puis tu vas te taire. Tu vas dire non, c'est bon. Menteur que tu sois. Menteur que tu sois. L'usine, c'est pour Kevin Yao. Tu n'as rien fait. Oui. C'est quel genre d'homme qui est footballeur, tes amis investissent et toi tu veux parler de toi. Parler sur toi. J'ai vendu mon immeuble, il me pour payer toi, pour être dans toi. Business que tu faisais au Nigeria, il n'y a pas non. Tu es un rienton, un petit rienton qui dort dans le salon des gens. Il y a un lave où tu t'assises, il y a un bruit partout. On sentait que tu n'es même pas chez toi à la maison. Tu ne vois pas? Je suis chez moi. Tu entends le bruit? Non. Si le voisin parle en moi, il comment? Ah. Voilà. Ah. On t'a dit en 2022, là. Je vais vous montrer les messages. Elle a tout supprimé. Quand j'ai vu, j'ai tout enregistré. Je vous ai dit ça en 2021. Je vous ai montré une capture où il a dit Emmanuel Keita qu'il ne lui a plus sa femme, ils sont plus ensemble. Je vais vous montrer le message de 2022. Bien, vous allez voir. Kevin Yawa a publié ça hier. C'est pas mon téléphone ici. Voilà. On va retrouver le téléphone. Le voilà qui supplie Kevin Yawa ici. Le voilà, regardez. Mais désolé, je te jure que ce bruit m'a rendu un meilleur mari. Je te promets, donne-moi une seconde chance. Je te promets déjà le mariage en juillet. Pour en commencer à préparer cela. J'ai compris beaucoup de choses. Je veux t'honorer et te donner ta place. Écoutez, je ne suis pas en train de dire cela pour le mariage. Le mariage n'est pas une cérémonie. C'est deux personnes ensemble. Si je dois être heureuse juste pour un mariage, je ne suis pas intéressée. Tu as ta nature nulle. Besoin change. Pas magie. J'aime la méditation. Tu détestes.
Je suis spirituel, tu ne crois qu'en ce que tu vois. Du coup, tu es toujours stressé. Et moi, par ricochet, ça m'empêche d'être tranquille et épanoui. Tu dois plutôt travailler sur toi, Kafou. Tu dois désapprendre et apprendre autre chose. Tu dois être heureux avant de pouvoir me rendre heureux. Le bonheur vient de l'intérieur. Il n'est pas conditionné. Mais toi, tu conditionnes tout. Tu dois travailler sur ce... Sur lui, je pense. Je travaille, moi, et je passe. Bon. Voilà, tenez, je vais vous montrer la date. Il y a un message daté là. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vous ai montré une capture que c'est depuis 2021 qui n'est plus avec Kevin. Je m'imagine, parce que une capture de 2022, janvier 2022, je vais supplier encore Kevin ici. Moi, je sais que pardon, je peux demander et faire ce que j'ai à faire. Il y a comme il écrit, il ne s'est même pas écrit. Un illettré en plus. Je pense aussi que notre book n'est pas simple parce qu'on me l'avait annoncé des mois avant, après un rêve. Mais, vous voyez ce nom? Il dit que non. On lui a dit qu'il allait se séparer avec Kevin, que c'était pas simple. Et lui, sa séparation avec Kevin, ça va. Peut-être qu'il accuse quoi Dieu ici. Hein. Voilà ça ici. Voilà ça. Mais c'est Dieu. Mais c'est arrivé. Dieu est Dieu. Je ferai ce que je dois faire pour reprendre ma femme. Voilà. Maintenant, je comprends ta réaction. Voilà la date, la 24 janvier 2022. Et puis, c'est lui qui écrit. Hein. Elle ne le répond pas. Il revient encore. Bonjour, chou. Bonsoir, chou. J'espère que tu vas très bien. Je veux sincèrement que tu me reviennes en aide. Voilà. Ça y est, il allait demander encore de l'aide. Regardez. Regardez-moi ça. Je veux sincèrement que tu me viennes en aide. Comme tu le sais, mes affaires sont bloquées en ce moment et nous sommes toujours en justice. Pour hôtel, d'après le procureur, on va finir en février. En gros, c'est difficile pour moi et que je veux que tu me viennes en aide. Si tu étais à ma place, je t'aurais aidé. Aussi, tu le sais bien, Dieu touche ton cœur. Voilà. Il est venu raconter sa merde, en fait. Quand Kevin Liao a mis ses captures, vous connaissez la mouton là, en fait. Vous la connaissez, non? C'est un, il vient là. Il vient te troubler, il vient te traumatiser, il vient mettre des commentaires pour te traumatiser. Là, si tu n'es pas faute là, tu vas perdre les trucs. Ils sont forts comme cela. Comme c'est le papa, comme c'est le baby daddy là. Donc, ils sont sortis pour le téléphone là-bas, c'est là-bas de Kevin Yahou. Un homme qui dit que lui, il a laissé une femme. Un homme qui dit que lui ne veut plus d'elle. Un homme qui dit que c'est lui qui a fait la fille. Un homme qui dit que c'est lui qui est là. Mais il va mendier quoi? Il va suppléer quel amour? Je vous ai montré la capture. Je vous ai montré, voilà ça, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà en quelle année. J'ai su que Kevin Yahou et puis Kafouba sont séparés. Voilà. 1er août 2021, voilà, si vous lisez bien en bas ici, je ferai si je contribue aussi. J'ai arrêté avec ma femme, voilà. Donc depuis 2021, femme qui n'est pas bien, femme qui dit elle est ci, femme qui dit elle est ça, pourquoi tu vas la supplier? La fille dit que tu es gigolo, la fille dit que c'est elle qui t'a entouré, la preuve est là. Tu allais lui demander de l'aide, pourquoi tu n'es pas allé demander de l'aide à ta famille? Et puis tu lui demandes de l'aide encore. Pourquoi? C'est parce que tu sais qu'elle a l'habitude de le faire. C'est parce que tu sais qu'elle a l'habitude de t'aider. C'est parce que tu sais qu'elle a l'habitude de t'entretenir. Mais elle dit qu'elle est fatiguée. C'est le message qu'elle a montré. Tout est dit dedans. Tu as supplié. Tu allais supplier. Tu allais l'implorer. Et puis elle ne veut pas. C'est le gourmet là qui est dedans aujourd'hui. C'est le gourmet qui filme dans ton corps aujourd'hui. La fille t'a chassé. Tu comprends? C'est ça qu'elle avait dit. Tout est dedans. Pourquoi tu n'es pas allé demander l'aide à ta mère? Et puis tu dis, non, bonsoir chou, je veux que tu me m'aides. La fille a dit que sans elle, là, tu allais faire prison à Abidjan. C'est pas toi qui vas de procureur ici. C'est pas toi qui vas de procureur dans le message ici. C'est pas toi qui vas de justice dans le message ici. Petit ingrat que tu sois. Petit ingrat que tu sois. Tu penses que sur Facebook, on va se faire pour parler des personnes? Non. Il faut se faire que sur Facebook, là, tout le monde va mouton. Hein. Tout, il n'a pas une enfant avec Kevin. Voilà, je ne sais pas trop si elle a une enfant avec Kevin. Je ne sais pas trop. Mais c'est qu'elle a, des, elle a une fille. Et puis, elle a dit, quand je l'ai connue, là, elle était enceinte. Oui, elle était enceinte. Et puis, tu l'as aimée. Quand faut que tu as aimé Kevin, tu l'as aimé bien. C'est Kevin qui est cette femme qui t'a donné la stabilité. Oui. Quand tu as connu Kevin, là, tu as expliqué, elle donnait la stabilité, tu t'es bien, tu t'es respecté.
l'homme qui t'a moqué, l'homme qui t'a refoulé, l'homme qui t'a misérable, elle t'a mis en haut. Mais comme tu as rentré dans le comportement de repère et de gigolo, elle t'a jeté. Parce qu'elle a boré son maïs. Elle a boré son maïs. Tu as bien dit que tu as aimé son côté investissement en question. Tu as bien dit que tu as aimé ce côté-là où elle est battante. Et tu revois que c'est une battante en fait. Tu as reconnu ça? Alors, tu parles de quoi? Tout est là. Tu es misérable en fait en réalité. D'accord? Père inconscient. Tu feras mieux d'aider Emmanuel Keïta à nourrir ton enfant. Tu feras mieux d'envoyer chaque fois pension alimentaire à ton enfant. Petit menteur, misérable que tu sois, Kevin n'est pas ta camarade. Et plus jamais encore tu sors sur elle. Tu sors encore sur elle. Je trace tes testacroyes. Tu veux venir, ça ne joue pas. Tu veux t'asseoir pour mentir. Tu veux t'asseoir pour raconter la messe, la pauvre fille. C'est pas ta camarade. Oui. Là où elle rentre, là, tu ne peux pas rentrer. Actuellement, elle est dans sa maison, elle est piscine. Maintenant, toi, le footballeur, ça fait toi et puis ta femme, Kouadjo, là. Vous êtes tout. Mais on ne vous voit jamais dans les vraies choses. Kouadjo vient à Abidjan. Elle n'a pas les moyens d'envoyer les enfants à Abidjan. Toi, tu peux dire à Kouadjo, ah, faut venir mon enfant à moi. Mais tu es sans domicile. Tu n'as pas de maison. Tu dors chez tes amis. Tu vas mettre tes enfants où? Tu vas les loger où? Oui. Kevin Yao était fier. Yeah! Elle a dormi dans le studio avec ses frères, avec sa mère, avec ses enfants. Mais aujourd'hui, là, elle est dans Gaïa maison à la piscine. Oui, elle est dans Gaïa maison à la piscine. Celle que tu dis que ses parents sont riches, là, elle est dans le village, en sous-location, sans chambelle, là, elle dormait dans les rues. Sans Nadège, là, elle dormait dans les rues. Kevin Yao ne vit pas au courant de ses camarades. Kevin Yao ne vit pas au crochet de ses camarades. Tu comprends? Quand un riche devient pauvre, il devient fou. Abou, vas-y, molo, molo. Sagacité, indable là-haut. Abou, vas-y, molo, molo. Sagacité, idable là-haut. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler. On finit rapidement. C'est Jojo. Ça joue dedans. Abou, vas-y, molo, molo. Sagacité, idable là-haut. Comment dire, mais, idable là-haut. Comment dire, mais, idable là-haut. Abou, vas-y, molo, molo. Quand le pauvre n'a pas d'argent, quand le riche n'a pas l'argent, il devient fou. Fouka, fouka. Fou, tu es fou, Kouadjo est folle, vous êtes fou. Vous êtes pauvre, bande de pauvres l'autre, bande de pauvres que vous êtes. Tu ferais mieux d'acheter un lit, un simple lit à tes enfants. Oui, Kevin Yao, hier, yeah, elle était coincée dans une maison, dans un studio, avec ses enfants, avec son enfant, dans sa grossesse, avec son frère, avec sa mère. C'est pas un crime, elle a regardé, elle dit non, je ne veux plus de ça. Et elle a réalisé son rêve d'une piscine avec maison expansion aujourd'hui. Toi, tu es ouf. Coincé quelque part là-bas chez tes amis. Kouadjo aussi là. Un bandit sur deux de ses camarades pour survivre en Europe ici. C'est ça la réalité aujourd'hui. Votre bilan. On parle de bilan, non? Votre bilan. Le bilan de 2023 qu'on voit aujourd'hui là. Toi, tu es dans le bilan de Roperoya. Kouadjo est dans le bilan de demander à ses abonnés pour cotiser pour elle. Voilà le bilan qu'elle a. Demain, Kouadjo, je te mets de côté. Je frappe les testacles de Marie aujourd'hui. Demain, rendez-vous encore à 22h où je te frappe comme il se doit. Il ne s'ajoute pas. Et puis, j'ai pas en vacances. C'est la lionne toujours. Kevin, t'inquiète. Ils m'ont dit que tu m'as envoyé. Moi, on ne m'envoie pas. Moi, j'ai fait mon truc propre. Voilà, on me connaît. J'ai fait mon truc propre. Tu viens derrière moi. Tu as dit qu'il y avait du gars, Sylvia. Tu veux pas que quelqu'un me prépare. Je vais allumer ta caméra, puis ta lumière propre. Et on me connaît. Je suis seule avec mes amis des vêtements. On est seul. Je n'aime pas l'injustice. Quelqu'un qui vient derrière moi, là. Faut pas dire que tu as muselé ma bouche. On ne muselle pas ma bouche. On ne muselle pas. Quand tu. Ils vont faire quand tu. On ne muse pas ma bouche. Je suis une place avec les amis de vêtements et sympathisants. Et c'est celle-là qui bloque les gens sur Internet.
internet. Mais quand elle fait live, ça sort. Oui. C'est moi. Ça ne joue pas. On ne parle pas fort sur ma page. C'est ça qu'il s'agit. C'est mon game. C'est mon game. Et ce soir, je veux souhaiter joyeux Noël à tous les amis de fête. Ceux qui m'aiment sincèrement d'un amour vrai. Ceux qui sont là depuis le début. On est ensemble. Ça ne bougera pas. Je vous dis merci. Le travail continue. Quoi Dieu, notre combat. Ah, pas de blague, hein? Nous, on est venus là. On est dedans. C'est ce qu'on nous a promis là. On est dedans. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. C'est pas notre problème. Il y a un problème à la carte. C'est pas notre problème. C'est pas problème, okay. Mais quoi Dieu, c'est notre combat. Voilà. Donc, je vous dis merci. On va doser un peu aujourd'hui. Et puis, demain, rendez-vous. Kafouba, le volume est fort, non? C'est dosé? C'est bien? Sans encore. T'attends encore. Il n'y a pas encore plus de problème, hein? Il n'y a pas 18 minutes. Si ça me prend, si ça me prend, il y a un jour encore dans notre live. C'est ça qu'il s'agit. Et ce soir, je veux dire merci à tout le monde. Merci, 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 merci à plus de presque 900 personnes qui sont sorties ce soir pour regarder. Voilà. C'est la lionne. À tes pipis, à tes papas. Je connais ma chose. Ça chauffe pas. Je connais le lézard mieux, non? Ah, le lézard trop bien. Il va beaucoup les filles. Le lézard chineke. Hey. Le lézard chineke. Hey. Voilà. C'est la lionne toujours. Il n'y a pas. Il n'y a pas, ça ne bouge pas. Voilà. Il n'y a pas. C'est l'ami qui a mis les blogueurs à leur place. C'est l'ami qui... Bob Lee. Bon, Bob Lee, on ne peut pas parler de lui ce soir. Laissez Bob Lee. Voilà. Donc, voilà un peu. Merci. Et c'est là. On n'aime pas, on vient sur mon lait. On dit, ah, c'est là, sorti.